le Palais des Sports, Kinder Arena, est une magnifique réussite architecturale. Les façades, le nouveau pervis créent des paysages nouveaux au cœur de notre agglomération. Et je pense qu'on va tous apprécier non seulement les qualités esthétiques évidentes du bâtiment, mais aussi ses fonctionnalités. La salle est moderne, efficace, et on va vivre des moments très très sympas dans le Kinder Arena. Je pense que là, on découvre aujourd'hui, dans sa configuration définitive, le Palais des Sports qu'on attendait depuis très longtemps. Bah, c'est un Palais des Sports qui ne nous déçoit pas. Il est beau, il est esthétique, il est bien intégré dans le quartier, qui est un quartier en pleine expansion. C'est un bâtiment moderne qui va pouvoir donner au sport en général et au SPE Rouen en particulier, certainement de nouvelles ambitions pour les années à venir. C'est bien évidemment une ambition sportive, c'est-à-dire qu'un écrin comme celui-là se doit d'avoir une équipe en Pro A le plus rapidement possible. Nous sommes actuellement en Pro B, le deuxième niveau français, et nous souhaitons très rapidement pouvoir rejoindre la Pro A. Des ambitions économiques, parce que tout a été conçu dans ce Palais des Sports pour favoriser justement le développement et s'adapter au modèle économique du sport professionnel. Et pour nous, c'était une dimension qui nous était indispensable si on voulait pouvoir faire évoluer notre projet. Et puis il y a une troisième ambition qu'on doit avoir, et celle-là elle est populaire, c'est passer d'une salle des Cotonniers qui n'accueillait que 1200 spectateurs à ce Kind Arena qui va pouvoir en accueillir en configuration basket près de 6000. On a le zénith, donc nous n'avions pas besoin de construire une très grande salle. Les spectacles sportifs nécessitent des jauges finalement importantes, mais pas extravagantes. Et il vaut mieux avoir régulièrement une salle de 6000 places pleine qu'une salle de 10000 places la plupart du temps vide. Donc nous avons bien étudié cela avec le monde sportif, et le dimensionnement de la salle est totalement adapté aux besoins des sportifs d'ici et de ceux qui viendront d'ailleurs. Lorsque nous accueillerons France-Lituanie de handball, bah 6000 places, oui, ce sera plein. Mais les matchs chaque semaine du basket, pour le moment, ce sera moins évidemment que 6000 places.